La compagnie Caravelle présente Carnet d'art, podcast. Carnet d'art podcast s'associe au blog Les Puristes à Aix-les-Bains pour vous proposer une immersion audio dans les folles aventures historiques relatées sur le blog lespuristes.fr. Une émission présentée par Karen Turc, produite par Antoine Guillot, réalisée par Jérémy Buatier, montée et sound designée par Alan Bouza. Salut Karen. Hello Antoine, hello la compagnie Caravelle. Alors, où nous emmènent les puristes aujourd'hui ? Eh bien, pour cet épisode, Antoine, les puristes vous invitent à effectuer à la fois un voyage à travers l'histoire, mais aussi à éveiller notre sens olfactif. Il est aussi question de botanique, puisque c'est du cyclamen dont on va parler aujourd'hui. Oui Antoine, les amateurs de rugby le savent, la rose est un emblème de l'Angleterre, et bien le cyclamen a été et demeure la fleur associée à l'histoire d'Aix-les-Bains. Ce n'est pas forcément su de tout le monde, il faut bien l'admettre. Effectivement, pas certain que tous les Aixois soient au courant, même si maintenant qu'on en parle, je revois bien les cyclamen aux fenêtres ça et là ou dans les sous-bois. Mais de là à faire du cyclamen un emblème Aixois quand même. Le cyclamen est une plante sauvage qui s'épanouit très bien dans les sous-bois et en particulier dans le massif des Bauges. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la région, Aix-les-Bains est située en Piémont de ce massif, aujourd'hui préservé par le parc naturel régional des Bauges. Et cette petite fleur des Bauges a été si prisée au gré de la belle époque jusqu'à la fin du XXe siècle qu'elle est devenue l'un des emblèmes d'Aix-les-Bains. Et les moines de Hautecombe ne s'y sont pas trompés. Oui Antoine, les moines qui étaient installés sur l'autre rive du lac jusqu'au début des années 90 ont eux aussi fait commerce du cyclamen sous forme de parfums souvenirs. Sacré business ce cyclamen. En fait, cet épisode donne un petit aperçu sur les prémices du marketing sensoriel. Bon, allez les puristes, on vous suit. Imaginez l'affluence des curistes depuis la gare centrale, les bruits des calèches, les vendeurs à la sauvette, les coursiers qui se hâtent. Nous sommes à la fin des années 1800. En un siècle, Aix-les-Bains s'est hissé au rang des reines des stations. Après les aristocrates, ce sont les mondains et les grandes fortunes qui viennent à Aix, ville d'eau, ville plaisir. À l'époque, on ne venait pas à Aix par hasard. Les curistes venaient à Aix pour prendre les eaux, et la station étant devenue incontournable des carnets mondains, d'autres suivaient pour voir et être vus. À l'époque, le voyage avait une autre temporalité. Toutes ces malles requéraient un maniement méticuleux. À l'époque, on ne venait pas pour un week-end en saut de puce comme il en est d'usage aujourd'hui. À l'époque, tout le beau monde avait grand soif de loisirs et de distractions. Il appartenait aux hôteliers et aux médecins aixois de rivaliser d'idées. Le tourisme débutait. Ce néologisme est emprunté à l'anglais « tour », c'est-à-dire l'excursion. C'est ainsi que les gorges du Cérot suscitèrent un vif intérêt dès le début du XIXe siècle. Grâce au petit train de la crémaillère, on conduisait les baigneurs depuis Aix jusqu'au belvédère du Revard. Les bateaux, à vapeur, font naviguer jusqu'à Hautecombe et sur le canal de Savière. L'excursion à travers le massif des Bauges faisait partie des escapades privilégiées depuis Aix. Et ce, qui s'y rendait à la fin de l'été, pouvait alors revenir avec un souvenir éphémère et romantique. Un petit bouquet de cyclamen cueilli par les villageois dans les sous-bois. La symbolique du cyclamen est forte. Elle évoque l'émoi amoureux, la jalousie ou encore la tendresse. À la belle époque, débutait ainsi une véritable lubie pour le cyclamen. Assez rapidement, la vente des cyclamen s'organisa au cœur de la cité thermale. À Aix, les vendeurs déambulèrent au plus près des curistes, sur le parvis des thermes, puis dans les kiosques à fleurs du parc de verdure. Ce sont aussi les modistes qui s'arrachaient le cyclamen. Alors que les élégantes d'Europe abandonnèrent les chapeaux à plumes à l'aube du XXe siècle, à Aix, on n'hésita pas à adopter le chapeau fleuri. Le cyclamen y trouva naturellement sa place. Cette mode fut consacrée lors de la fête du cyclamen. La première édition fut célébrée par le casino d'Aix le 30 août 1905, à l'occasion de laquelle le cyclamen devait agrémenter les corsages de ses dames et les boutonnières de ses messieurs. La parfumerie aixoise, Silva, elle, proposa des fragrances cyclamen dans de sublimes flacons. Au début du XXe siècle, toute une organisation fut mise en place. La cueillette était matinale. Les bouquets étaient transportés dans des caisses en bois, généralement recouverts de fougères, pour conserver la fraîcheur. On les livrait chez des grossistes, desservant Aix, mais aussi Lyon et Paris. C'est la cyclamen mania.
Qui aurait cru, Karen, que cette fleur des sous-bois représente une telle histoire ? Et encore, Antoine, on a concentré notre propos sur le XXe siècle et la Belle Époque. Il faut savoir que cette petite fleur sauvage fait l'objet d'une attention particulière des savants dès l'Antiquité. Ah bon ? Selon le philosophe grec Théophraste, on recommandait au IIIe siècle avant notre ère l'adjonction de cyclamène au philtre d'amour. C'est sans compter sur l'effet purgatif, voire toxique, en fonction de sa concentration. Au Moyen Âge encore, selon certaines croyances, le cyclamène avait la vertu de repousser le mauvais sort du logis. On sait aussi que cette plante était prisée à la cour d'Élisabeth Ière d'Angleterre et cette fleur sauvage était cultivée ensuite dans les jardins de la reine. Ce que je retiens aussi, c'est le caractère prescriptif de la cyclamène mania. Celui qui n'en portait pas était outsider, c'est fou quand même. Oui, tout un petit monde a su en tirer profit et tant mieux. La cueillette du cyclamène a apporté un complément intéressant dans ces villages des Bauges vivant essentiellement de l'agriculture. Et de nos jours, on connaît la pratique de la vente du muguet à la sauvette, mais il faut imaginer le potentiel quand vous vendez des bouquets sur plusieurs jours. Mais bon, tout cela est derrière nous. Mais ce qui m'intrigue, c'est de savoir, encore une fois, pourquoi cette recherche sur le cyclamène, Karen ? Alors, Antoine, les enfants du pays savent que le cyclamène est la fleur d'Aix-les-Bains, c'est tout. Et parce que je prenais cela pour évident moi aussi, j'ai voulu remonter à la source. Il y a une très belle iconographie. L'une des œuvres emblématiques, c'est celle de Guido Gonin, qui est un artiste peintre savoyard né à Turin. Il s'est installé à Aix-les-Bains à la fin de sa vie et il a été connu pour ses gravures de mode très prisées par les élégantes, qui s'emparent du cyclamène pour enjoliver ses réalisations graphiques. Affiches, éventails, cartons d'invitation, cartes postales et encore des pages de couverture de journaux et des revues, tout y passe, tout porte le cyclamène. Merci Karen, j'imagine que nos auditeurs verront d'un autre œil cette fleur qui trouve sa place sur les rebords de fenêtres en fin d'année. Et un conseil s'il vous venait l'idée d'en offrir à un être cher, faites attention, encore aujourd'hui, le langage des fleurs attribue au cyclamène des significations différentes d'un coloris à l'autre. Si le cyclamène blanc évoque la tendresse, n'est-ce pas Karen ? Le cyclamène rouge, lui, fait part d'une certaine tristesse, voire d'un désespoir amoureux. Quant au cyclamène rose, il affirme un émoi fier et certain. Et oui Antoine, et s'il devait y avoir un plant de cyclamène dans ce studio, ce serait forcément un cyclamène blanc. Évidemment, merci Karen. Les Puristes, une émission de Carnet d'Art Podcast qui vous a été présentée par la compagnie Caravelle et le site lespuristes.fr. Une émission présentée par Karen Turc, produite par Antoine Guillot, réalisée par Jérémy Buatier, montée et sound designée par Alan Bouza. Retrouvez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée et abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram et Facebook, sur carnetdart.com et sur lacompagniecaravelle.fr. Vous pouvez également nous soutenir en faisant un don défiscalisé sur Hello Asso en suivant le lien en description. Allez-y, cliquez. S'il vous plaît, cliquez. On vous remerciera. Allez, gros bisous.